Est-ce que vous appréhendez mardi les questions au gouvernement? La seule chose qui est terrible, c'est les images qu'on voit. Mes pensées vont complètement au peuple d'Israël, au peuple juif, à ces 200 000 Français qui ont été donc massacrés et tués. J'ai bien entendu, il a bien dit 200 000 Français tués. Bon, on va reprendre l'extrait. Ces 200 000 Français qui ont été donc massacrés et tués. Ces 200 000 Français. Après, aujourd'hui, on vit aujourd'hui. Vous savez ce que m'a dit Netanyahou? Je peux me permettre, vous m'avez posé la question tout à l'heure. Comme vous le voyez, c'est le pote à Netanyahou qui passe sur CNews pour gueuler sur le présentateur, hein, n'est-ce pas? Mais il leur dit bien, parce que je vais apporter le soutien de plusieurs politiques français. Tiens, pourquoi le présentateur, il demande pas qui sont ces Français, hein? Il leur explique que nous sommes la première ligne de l'Europe face à l'islamisme. C'est ça le fond de la question. Et c'est ça que je leur ai expliqué. On a oublié le Bataclan, on a oublié la manifestation, on a oublié Charlie, on a tout oublié, tout va bien, parce que depuis 6 mois, on n'a plus d'attentats islamistes, mais ils sont là. Et ils ont lâché ce que la terre qu'il y a, ce qu'ils appellent, c'est la dissimulation pour arriver, parce qu'ils sont prosélytes, parce qu'il y a un problème de culture. Bah, tous les musulmans, je parle des islamistes, je parle des frères musulmans qui sont en train de rentrer jour après jour. Il faut ouvrir les yeux avant que ce soit trop tard. Mais aujourd'hui, je suis désolé, y compris au niveau des médias, lorsqu'on a fait un procès, parce qu'au JDD, on a mis un directeur général qui les convenait pas, on l'a traité d'extrême droite. Et pas un mot sur ce qui se passe à l'extrême gauche, mais de grâce. Il faut ouvrir les yeux, c'est ce que j'ai dit lors d'une question au gouvernement à l'Assemblée nationale, y compris par la couverture de certains médias du service public, je suis obligé de le dire aussi. Ici, je vais pas me gêner. La façon dont ces conflits sont donnés, mets de l'huile sur le feu en permanence.